parfaite. Viens et vois, viens, viens et vois. Jésus n'a pas changé, il est le même aujourd'hui éternellement. Nous allons écouter quelques témoignages dans Gary Local, si vous voulez qu'on écoute les témoignages. We're going to listen to some testimonies. Please, if you want us to listen to testimonies, be silent. Les témoignages font partie du combat spirituel. Testimonies are part of spiritual warfare. Nous allons mater. We are going to crush. C'est le salut. It is salvation. Le salut est complet. Salvation is complete. Donc, appelons donc le pasteur Traillé. Qu'est-ce que tes yeux ont vu? What have your eyes seen? Qu'est-ce que tes mains ont touché? What have your hands touched? Concernant cette affaire de la victoire de Jésus sur le diable. Concerning this whole matter of Jesus' victory over the devil. Oui. Offrande d'acclamation pour le Seigneur Jésus-Christ. Avec des cris de délivrance. Avec des cris de victoire. Avec des cris de joie. Jésus-Christ. Si tu es délivré, si tu es dans la joie, logiquement, tu devrais te lever pour acclamer le Seigneur. Tu es resté assis. Jésus-Christ, merci. Alors, très rapidement, le Seigneur Jésus a délivré encore. Une sœur qui, par le passé, quand elle fait les rêves, elle dit qu'elle voyait beaucoup de serpents. Et dans certains de ses rêves, elle se retrouvait dans des prisons. C'est-à-dire que dans des maisons où elle n'arrivait pas, ou dans lesquelles elle n'arrivait pas à sortir. Après le brisement des liens malsains de famille et autres liens, la sœur fit un son. Dans le songe, elle s'est retrouvée dans un lieu et il y avait une foule de personnes. Chacun sortait de sa concession et venait vers la sœur pour dire « Ton Dieu a gagné, ce n'est pas moi, c'est l'autre là qui m'avait envoyé. Ton Dieu a gagné, ce n'est pas moi, c'est l'autre là qui m'avait envoyé. Ton Dieu a gagné, ce n'est pas moi, c'est l'autre là qui m'avait envoyé. » Et elle s'est retrouvée dans un autre tableau. Elle dit, c'est comme elle rentrait dans le temple, ici, à Ndoxibi. Et il y avait des gens qui étaient en file indienne de part et d'autre, et passaient au milieu. Jusqu'à ce qu'elle a réussi l'estrade, dit, on lui a donné le micro, et elle a rendu son témoignage, et elle s'est réveillée du songe. Le Seigneur venait confirmer que notre sœur était authentiquement délivrée. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Une autre sœur, elle avait l'amertume dans son cœur, très colérique. Quand nous avons fini son brisement des liens malsains de famille et autres liens, elle est rentrée à la maison. Le lendemain du programme, ou le même jour, puisque nous finissons au petit matin, c'est le soir qu'elle est venue à la croisade, elle était assise là. Et du coup, elle a vu une vision. Assise, quelqu'un est descendu en habit blanc, a retiré le mauvais cœur qui était dans sa poitrine. Et quand elle a regardé l'état de ce cœur, c'était un cœur noir, déchiré,
Et le Seigneur lui dit, je viens d'enlever le mauvais cœur. À l'instant T, le Seigneur a repris un autre cœur propre, vivant, à déposer dans sa poitrine. Jesus Christ. Depuis ce jour, depuis cet instant, à la croisée, elle ne fait que manifester la joie. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Une autre sœur, elle avait des maux de ventre. Même pendant qu'on brisait ses liens malsains, c'était difficile. Jusqu'à ce qu'on finisse, voici les thèmes qu'elle a utilisés. J'ai seulement eu un soulagement. Elle est rentrée à la maison. Après la croisade, la nuit, quand nous avons fini ici le soir, la nuit, Dieu a opéré sa délivrance dans un songe. Quand elle s'est couchée, elle fit un son dans lequel elle a vu une souris sortir de son ventre. Quand elle s'est réveillée, toute la douleur a disparu. Jésus-Christ. Acclame avec des cris de joie. Une autre sœur, elle a préféré garder l'anonymat. Pendant que je causais avec elle, elle était attachée aux bijoux. Les bijoux étaient pour elle une idole. Dans notre entretien, je lui ai demandé de se séparer des bijoux. Elle avait déjà une montre et un bracelet au poignet. Quand je lui ai posé la question, qui t'a donné le bracelet? Elle a dit le nom de la personne. C'est un homme qui était déjà décédé. Sur le champ, je lui ai posé la question, est-ce que tu es attaché à ce bracelet? Elle a dit oui. Mon oncle, je l'aimais beaucoup et c'est comme un souvenir pour moi. Donc sur le champ, j'ai demandé à la soeur, retire le bracelet de ton poignet. Elle a gardé une minute de silence. Après, j'entends, pourquoi elle va se séparer du bracelet? Pourquoi? Tu ne sais pas, c'est à cause du bracelet, je la contrôle. Pourquoi elle va se séparer? J'ai dit, ah bon? Les démons ont commencé à se manifester. Nous l'avons jugé. Ou nous les avons jugés au nom de Jésus. Ils sont partis. Nous avons continué le ministère de la sœur. Elle dit, par le passé, quand elle était petite, si elle fait un songe, quelqu'un venait lui donner des bracelets dans le songe. Quand elle se réveille physiquement, elle voyait les bracelets sur la table. Et elle les portait. Elle a grandi comme ça avec ça. Donc, elle était attachée au bracelet, au bijou. Elle a grandi, elle est devenue femme. Certains de ses bracelets étaient à la maison quand on faisait son brisement de lien. Quand nous avons fini, elle est rentrée à la maison parce que nous lui avons donné la recommandation. Le soir, en venant à la croisade, viens avec ces bracelets-là, nous allons les brûler. La sœur rentre à la maison après son brisement de lien. Les bracelets ne sont pas partis quelque part. Elle a déposé sur la table et puis elle est venue. Puisque c'est pour elle, elle les porte de temps à autre. Elle arrive à la maison, elle cherche les bracelets dans tous les coins de la maison, les bracelets ont disparu. Offrande d'acclamation pour le Seigneur Jésus-Christ. Le dernier témoignage, une sœur à qui nous avons rendu ministère, pendant qu'elle assiste à la croisade, nous faisons aussi les brisements des liens malsains des familles et autres liens. Elle dit, après son brisement de liens, elle s'est retrouvée dans un puits sans fond et elle était enchaînée là-bas. C'est comme ça qu'elle a vu le Seigneur Jésus descendre. Là où elle était, le Seigneur a retiré les chaînes. Et le Seigneur dit, aujourd'hui c'est fini, je suis venu à ton secours. Une chose nouvelle est arrivée. Tu ne seras plus la même. Le Seigneur est sorti avec elle du trou et elle était authentiquement libérée. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ.
Nous rendons grâce à notre Dieu. Nous lui disons infiniment merci. Aujourd'hui, c'est l'apothéose. Le Seigneur a travaillé hier. Il continue de travailler. À lui soit toute la gloire. Amen. J'ai été délivré de l'esprit de mort. Le troisième jour de la campagne, j'ai dit au Seigneur que, Seigneur, cette campagne ne doit pas finir sans que je ne sois délivré. Ce soir-là, nous sommes rentrés. Le lendemain matin, j'ai fait un songe dans lequel je me retrouvais à la maison avec mes parents. Après cela, ma grand-mère est sortie de la chambre. J'ai demandé que, grand-mère, tu fais quoi ici? Tu devais normalement te trouver dans ta tombe. Après ça, je suis restée encore quelques temps. Elle a dit qu'elle voulait parler avec ma mère. Elle m'a demandé que je reste tranquille. Je voulais proclamer le nom du Seigneur. Qu'est-ce que Jésus a fait pour toi pendant la croisade? Après cela, ils ont fini le causer. Elle est venue me voir. J'ai dit que je ne fais pas partie des morts. Après ça, donc maintenant, j'ai commandé le nom du Seigneur. Elle a demandé que, oui, je m'en vais. Et elle a dit cela, elle est partie. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je voudrais rendre grâce au Seigneur qui m'a délivré d'un mal dont je souffrais pendant 12 ans. C'est un truc qui se manifestait dans mon corps comme un ver. Et chaque fois que on commençait la prière depuis l'année passée, ça arrive ici, ça veut sortir, mais je ne parviens pas à vomir. Deux jours avant la campagne, j'ai fait un songe dans lequel un homme et une femme sont venus opérer mon ventre. Et la femme a nettoyé totalement le ventre. Le monsieur m'a donné les remèdes après et il m'a dit, bois, c'est pour ton mal de ventre. Quand le frère Michael nous a menés à prier ici pour le sang qu'on a pris, les premiers menstrues, ou bien tu as eu à accoucher et on a pris ton sang pour te déranger. Pendant qu'il a commencé la prière, le mal a commencé à se déplacer dans le ventre et sa puissance diminuait. Et depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus jamais ressenti le mal. Gloire à Dieu. Jesus Christ. Next. De tout droit au but. Qu'est-ce que Jésus a fait pour toi pendant cette croisade? Gloire à Dieu. Amen. En venant à cette croisade, j'ai dit au Seigneur que, Seigneur, délivre-moi de l'esprit des morts. Et j'ai dit au Seigneur que la croisade, c'est ma croisade. Et pendant qu'on priait pour l'esprit des morts, j'ai vu... dans le village de mon père, j'ai vu ma grand-mère qui est sortie de la tombe. Elle m'a pénétré. Elle m'a dit que, Michel, c'est toi ici. J'ai dit, oui, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai dit que je n'ai pas répondu. Et quand je n'ai pas répondu comme ça, elle a mis un ténèbre devant moi pour que je ne sorte pas du village. Et j'ai dit au Seigneur que, ouais, Seigneur, libère ce chemin que je passe. Et quand j'ai dit au Seigneur, il a fait descendre la lumière devant moi comme ça, et je suis passé sur ce chemin-là. Et je suis vraiment libéré de l'esprit de mort. Deux enfants. Délivré de l'esprit de mort. Delivered from the spirit of death. Gloire à Dieu. Non, c'est bon. Il y a quelques mois, chaque fois quand je me couche, à un moment donné, je ressens toujours comme on me fait avaler quelque chose. Mais vendredi, à la croisade, on a prié. Hier, j'étais dans ma boutique au marché. Je somnolais, j'étais assise dehors, je faisais que somnoler. J'ai senti une fatigue. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Je prends le carton, je mets au sol, je me couche. Je me suis endormie. Pendant le sommeil, donc, j'ai réveillé. J'étais en train de mâcher quelque chose. Je mastiquais, mais c'était dur. J'ai dit, mais qu'est-ce qui est dans ma bouche? J'envoie la main, je sors. C'était comme une coquille d'escargot. J'ai eu la frayeur, j'ai jeté au sol. Mais je vois comment c'est en train de se transformer. Ça devient comme le crâne d'un animal. Après, ça a changé de forme. J'ai
directement cherché un plastique. J'ai ramassé, j'ai mis dans le plastique que je vois. Je vais aller montrer ça à mon pasteur. Mais subitement, il y avait une cliente, une voisine m'a réveillée. Donc je rends grâce à Dieu d'avoir pour ma délivrance. Gloire à Dieu. Je loue le Seigneur en entrant ici vendredi. Je me sentais, j'étais sous l'influence négative des charmes. Donc, quelqu'un avait déposé le charme dans ma maison en construction. Et en sortant ici vendredi soir, je me sentais libéré de cela. Et je suis passé hier là-bas, j'ai remarqué que le charme n'était plus là. Et en plus, cette nuit-là, la nuit d'aujourd'hui, j'ai rêvé que la gendarmerie venait m'arrêter, que j'avais des dettes et que devait partir avec moi. De grâce, quelqu'un est sorti de nulle part pour verser l'argent, pour payer que voici le total qu'il fallait pour vivre. Net, qu'est-ce que Jésus a fait pour toi? Gloire à Dieu. Une phrase. Il y a de cela 2 mois, j'ai déposé une demande d'emploi dans une société et hier matin, on m'a appelé pour l'entretien. Amen. Amen. Praise the Lord. Qu'est-ce que Jésus a fait pour toi pendant la croisade? Ok. I want to thank God because my family is a family that every 25th December, 1st January, we are always waiting. We are always waiting who will die in the family. Because the spirit of death is always in my family for so many years. But yesterday, as we are praying, I was here with my mother and my younger sisters. But when we were praying, suddenly, they started feeling pain in their stomach. I was feeling pain in my ear. And then the Lord revealed to my small sister, people who were standing on the round, there was a coven in the middle and they were putting on dark clothes with red caps. But she was scared. After that, she opened her eyes and then she closed back. And suddenly something felt dark and the fire of the Lord consumed me. Praise the Lord. Amen. So yesterday we have... Qu'est-ce que Jésus a fait pour toi pendant la croisade? Je suis venue ici mercredi. Le pasteur Mike, il priait pour les maris de nuit. Dès qu'il a prié, on a prié pour moi. Un pasteur a prié pour moi. Maintenant, il rentre pour dormir le jeudi, du lendemain. Je vois un vieillard dans mes songes. Il me dit, tu es ma femme. Tu es ma femme. Je dis non, je ne suis pas ta femme. L'église que tu parles, c'est ton problème. Tu demeures ma femme. Tu dis qu'au nom de Jésus, tu ne suis pas ta femme. Il a disparu. Acclamation. Éclame. Suivant. Next. Gloire à Jésus. J'ai 2 témoignages. 1, c'est pour la guérison. Et 2, c'est pour la délivrance. Gloire à Jésus. En fait, pendant la croisade, mardi passé, j'avais fait mes brisements. Le premier jour, je fais un songe, une grande foule qui venait me dire, tu as gagné. Le deuxième jour, le même songe, il venait toujours me dire, j'ai gagné. Mais je ne savais pas ce que moi, j'avais gagné. Le troisième jour, on se retrouvait ici. La foule remplissait, j'étais bloquée là-bas. Ils se tenaient des bras pour me bloquer. Je me battais, il n'y avait pas moyen pour m'échapper. Et je m'étais fatiguée, j'ai dit, ah, je vois même que je perds le temps, ils sont si nombreux. À ma grande surprise, j'entends une voix que quelqu'un m'a appelée ici. Il dit « Marie ». Je soulève mes yeux, je regarde et la foule, donc ça, il y a eu un chemin, ça a frayé un chemin. Comme la voix de la personne a frayé un chemin et la foule a commencé à s'écarter. Ils se sont relâchés des bras et je suis passée sans faire des efforts. Next. Gloire à Dieu. Amen. Je bénis le Seigneur pour ce qu'il a fait hier dans ma vie. Hier, pendant que le pasteur priait ici là pour la dépression, à un moment donné, j'ai commencé à avoir mal à l'oreille, ça criait et en même temps, ma tête était lourde à l'intérieur. Je n'ai pas pu supporter jusqu'à un moment donné, j'ai commencé à crier si fort au point que ceux qui rendent le ministère sont venus me prendre pour m'amener en bas pour prier. Je bénis le Seigneur parce que ce matin, quand je suis arrivée, je ne me suis même pas rendu compte. Le Saint-Esprit m'a demandé, tu es assis où? C'est là que je me tourne, je regarde autour de moi, je me rends compte que je suis assis, il y a une baffe qui est en haut de ma tête.
Alors que avant je ne supportais pas les bruits sonores. Donc je bénis le Seigneur parce qu'il m'a délivré de ce mal d'oreille ainsi que de l'esprit de dépression. Gloire à Dieu. Amen. Si tu as cru pendant la croisade, if you believed during the crusade, tiens-toi debout. Please stand. C'est par vous qu'on commence. We will start with you. On va détruire. We are going to destroy tous les plans de Satan contre vous. All the plans of Satan against you. Tenez-vous debout. Please stand. If you believe during the crusade, stand. Si tu as cru pendant la croisade, lève-toi. If you believe during the crusade, que le diable a conçu dans leur vie. If there are things that God, the devil plans, nous allons brûler in their lives, we are going to destroy. Si depuis qu'ils ont pris l'engagement, if from when they took the commitment, il y a des forces, there are forces qui s'opposent, that are opposing them, nous allons les disperser. We are going to scatter them. Et nous allons protéger leur marche. Nous allons protéger le chemin devant eux. And we're going to protect the way that is ahead of them. Vous devriez acclamer. You ought to clap. Read for us. Mark chapter 11, verset 22 à 24. Mark chapter 11, from verse 22 to 24. Vous priez que ceux qui sont malades guérissent. Ceux d'entre eux qui sont malades qui guérissent. You also pray that those of them who are sick, that they should be healed. Lis rapidement. Marc chapitre 11, versets 22 à 24. Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, tout ce que vous demanderez en priant, everything that you ask from me in prayer, croyez que vous l'avez reçu, croyez que vous l'avez reçu, believe that you have received it, et vous le verrez s'accomplir, et vous le verrez s'accomplir, and you will see it happen. Si tu es jeune converti, if you are a young convert, écoute ce qu'on va demander pour toi. Listen to what we are going to ask for you. Et considère que tu es déjà béni. And consider that you have been blessed. Tout ce que vous demanderez en priant, everything that you ask in prayer, croyez que vous l'avez reçu. Now believe that you have received it. Vous le verrez s'accomplir. And you see it happen. Ce que nous allons demander maintenant, now what we are going to ask, ça va s'accomplir. It will happen. Même si Satan s'oppose, even if Satan opposes, son adversité ne peut rien annuler. His adversity ne peut rien annuler. Can never annul what we are going to ask. Let us take up our hands. Dis Seigneur Jésus. Say Lord Jesus. Merci pour ces jeunes convertis. Thank you for these young converts. Nous les avons invités en ton nom. We invited them in your name. Et ils ont répondu à l'invitation. And they responded to the invitation. Nous avons prêché ta parole. We preached your word. Et ils ont cru à ta parole. And they believed your word. Nous avons lancé l'appel. We made the call. Et ils se sont levés. And they stood up. Pour manifester publiquement leur foi. To publicly manifest their faith. Maintenant ils sont là devant toi. Now they are here before you. Nous jugeons l'adversité de Satan contre eux. We judge the adversity of Satan against them. Nous détruisons les plans de Satan contre eux. We destroy the plans of Satan against them. Nous prions que ceux qui sont malades soient guéris. We pray that those who are sick be healed. Nous détruisons
Les œuvres avant leur conversion. We destroy the works before their confession. Les œuvres du diable avant leur conversion. The works of the devil before their confession. Nous détruisons pendant leur conversion. We destroy the works during the their confession. Nous détruisons longtemps après leur conversion. And we destroy all the plans of Satan long time after their conversion. Que le chemin devant chacun soit frayé. May the way before them be open. Car il est écrit. Because it is written. On dira. And it will be said. Frayé. Create, open the way. Préparez le chemin. Prepare the way. Enlevez tout obstacle. Remove every obstacle. Du chemin de mon peuple. From the way of my people. Prions maintenant pour eux. Now let us pray for them. Frayons le chemin. Let's open the way. Frayons les obstacles. Let's remove the obstacles. Frayons les armes de Satan. Let's frayons le chemin devant vous. We open the way before you. Protégeons de la persécution. And we protect you from persecution. Protégeons de la persécution. We protect you from persecution. La persécution des parents. Persecution from la parents. La persécution des chefs d'entreprise. Persecution of the la persécution company heads. La persécution. Persecution. Des chefs hiérarchiques. From hierarchies. Nous brisons leurs armes. We break their works. Nous jugeons les diffamations. We judge all defamations. Nous jugeons les faux témoignages. We touch all false testimony. Nous remplissons de joie. We fill them with joy. Nous remplissons de joie. We fill them with joy. Nous vous bénissons. We bless. Avec une marche victorieuse. We bless them with a victorious une walk. Marche victorieuse. A victorious walk. Nous que ceux qui sont malades soient guéris. That those who are in suffering. Toi qui es malade. Je déclare I declare que Christ est mort pour toi à la croix. That Christ died for you on the cross. Et par ses maîtrises, and that by his stripes, tu es guéri. You are healed. Tu es guéri. You were healed. Tu es guéri. You were healed. La pneumonie. Tu es guéri. You are healed of pneumonia. Hémorroïdes. Tu es guéri. You are healed. Du cancer. Cancer. Tu es guéri. You are healed. Du sida. AIDS. Tu es guéri. You are healed. Du diabète. Diabetes. Tu es guéri. You are healed. De l'hypertension. From hypertension. You are healed. Des courbatures. Pains in the joints, mal d'articulation, and the pains in the joints, du mal de dos, the kidney problems, back pain, fibroids, de l'impuissance sexuelle masculine, masculine, guéri, potency, we are healed, deliver. Au nom de Jésus Christ, in the name of Jesus Christ, au nom de Jésus Christ, in the name of Jesus Christ, au nom de Jésus Christ, in the name of Jesus Christ. Levez vos mains. Take up your hands. Que la pauvreté soit loin de vous. May poverty be far away from you. Que la pauvreté soit loin de vous. May poverty be far away from you. Que ceux qui sont dans le chômage. May those who are unemployed. Find employment. Trouve les emplois. Find employment. Ceux qui sont dans le chômage. Those who are unemployed. Soit bénis. Be blessed. Avec des emplois. With employment. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus Christ. Sois guéri des kystes. Be blessed. Be healed from cysts. Kystes ovariennes. Those who are suffering from cysts. Guéri, guéri, guéri. Healed, healed, healed. Guéri, guéri, guéri. Healed, healed, healed. Qu'est-ce qu'on a envoûté? Those who have been bewitched. Si on t'a fait avaler les choses. Those who have caused them to swallow things. En songe. In dreams. Ou dans la réalité. Or in truth. Nous brisons ce jour. We break this yoke. Nous te déclarons libre. We proclaim you healed. Nous te lavons avec le sang de Jésus. We wash you with the blood of Jesus. Nous te lavons avec le sang de Jésus. We wash you with the blood of Jesus. Nous lavons ton esprit. We wash your spirit. Nous lavons ton âme. We wash your soul. Nous lavons ton corps. We wash your body. Nous te bénissons. And we bless you. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Please be seated. Maintenant, now, lis pour nous 2 Samuel chapitre 5. Read for us 2 Samuel chapter 5. À partir du verset 6. From verse 6. Jusqu'au verset 10. Right up to verse 10. 2 Samuel chapitre 5. Verset 6 au verset 10. Le roi marcha avec ses gens sur Jérusalem contre les Jébusiens, habitants du pays. Il dit à David, « Tu n'entreras point ici, car les aveugles même et les boiteux te repousseront. » Ce qui voulait dire, « David n'entrera point ici. » Mais David s'empara de la forteresse de Sion, c'est la cité de David. David avait dit en ce jour, « Quiconque battra les Jébusiens, et atteindra le canal, quiconque frappera ces boiteux et ces aveugles qui sont les ennemis de David. C'est pourquoi l'on dit, l'aveugle et le boiteux n'entreront point dans la maison. David s'établit dans la forteresse qu'il appela la cité de David. Il fit de tous côtés des constructions
en dehors et en dedans de Milo. David devenait de plus en plus grand et l'Éternel, le Dieu des armées, était avec lui. Amen. Maintenant, now, chaque frère, every brother, va se rassurer, will make sure, qu'il n'y a pas un obstacle devant lui. That there is no obstacle before him. David avait déjà battu beaucoup de royaumes. David had conquered many kingdoms. C'était un homme de guerre. He was a man of war. Mais arrivé à Jérusalem. But when he got to Jerusalem, les habitants de Jérusalem se sont appelés au secours. The inhabitants of Jerusalem gathered, convoqué tout le monde. They called on everyone. Ils ont dit, and they said, même les aveugles, les boiteux, les lépreux, tout le monde doit even venir. Even the blind, the lepers, and the lame, everybody must have to come. Et ils disaient, and they were saying, il ne faut pas que David entre ici. That David must not enter here. Si tu diriges une assemblée, if you are leading an assembly, si tu es établi dans une zone, if you are established in a zone, si tu ne pries pas bien, and you don't pray well, l'ennemi va te barrer la route. The enemy will block the way. Tu vas faire 10 ans. You spend 10 years. L'assemblée ne se multiplie pas. The assembly will not get, will not multiply. 10 years. Tu ne bouges même pas. You don't even move from where tu you started. Un peu là, tu viens t'asseoir. You turn around and you come back and sit down. Il faut dégager l'ennemi. You must get the enemy to go away. David s'est dit quoi? David said, but what? Que moi, David, that I, David, je ne peux pas entrer dans that I cannot ville. Enter into a town. Et dans les desseins de Dieu, and in God's purposes, c'est Jérusalem. It is Jerusalem. C'était la capitale. That was the capital. C'est là où David devait vivre. That is where David was to et live. Le diable, le sachant, but the devil knowing this, a dit, said, qu'il ne va pas entrer ici. He will not enter here. Tu sais où tu dois aller. You know that you have to go. Dieu ne t'a pas confié cette tâche. God will give you that pour this que task. Tu restes là. So that you remain there. Comme un petit gamin. Like a small child. Tu dois progresser. You must progress. David a dit. David said. C'est lui qui me place sur mes lieux élevés. The one who is placed on the high places. Tu as une tâche à accomplir. God has a task to accomplish. Faisait des disciples. En tant que faisait des disciples. As a disciple maker. Dirigeant d'assemblée. Or leader of assembly, ou chef de famille, or a family, tu dois marcher. You must have to move. Personne ne doit se tenir devant toi. No one must stand before. Nous allons nous tenir debout. We are all going to nous stand. Allons mater. We are going to hammer ce complot. All this. Et nous allons dire. And we're going to say partout dans cette ville. We will go everywhere in this nation. Everywhere. Si tu es là. If you are there, si tu es venu de Bafoussam, if you came from Bafoussam, dès que tu mets le pied à Bafoussam, the moment you step your leg in Bafoussam, même là où tu habites, even where you are living, il y a un plan de Dieu pour là. There's pour a plan, God's plan for that place. Tu dois te rassurer que même si c'est pour deux jours, you must have to ensure that even if it's for 2 days, que c'est accompli. That is accompli. Tu es un fonctionnaire. You are a civil servant. Envoyé pour 2 semaines. And you are sent on mission for 2 weeks. Dieu doit s'accomplir. The purpose of God must be accomplished. Sinon, if not, l'ennemi va dire, il ne faut pas qu'il bouge. The enemy will say, he must not have to move. Il est dangereux. He is dangerous. Il a un message. He has a message. Si on s'y prêche ici, if he preaches this that here, on va souffrir. We are going to suffer. Lève ta main. Take up your hand. Dieu, au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Je déclare. I declare. Que les desseins de Dieu. That the purposes of God. À travers ma personne. Through my person. Vont s'accomplir. Will be accomplished. Les desseins de Dieu. And the purposes of God. À travers ma personne. Through my person. En tant que croyant. As a believer, vont s'accomplir. Must be accomplished. Les desseins de Dieu. The purpose of God. À travers ma personne. Through my person. En tant que chef de famille. As a family head. Vont s'accomplir. Must be accomplished. Les desseins de Dieu. The purpose of à God. À travers ma personne. Through my person. En tant que dirigeant d'assemblée. As a vont s'accomplir. Leader of assembly. Must be accomplished. En tant que dirigeant parmi la jeunesse. Vont s'accomplir. As a youth leader. Tous les desseins de Dieu. All the purpose of God. Proclaim. Pour moi. For me. Pour moi. For me. Va s'accomplir. Must be accomplished. Au nom de Jésus. The name of Jesus. Un commun accord. In the one agreement. Avec mes frères. With my brethren. Nous brisons les barrières. We break the barriers. Nous dispersons les démons. We scatter the demons. Tous les démons qui ont dit. All the demons that said. Que je n'entrerai pas. That I will not enter. Je les disperse. I disperse all of them. Je les disperse. I disperse all of them. J'écrase les complots. I clear the way. Et au nom de Jésus. And in the name of Jesus. Je marche. I walk. Victoriously. Je marche. I walk victoriously. Victoriously. Et je déclare. And I declare. Je déclare. I declare. Que ceux qui vont se lever contre moi. That all those who arise against me. Vont rencontrer l'adversité de Dieu. To encounter the adversity of God. Car il est écrit. Because it is written. Je serai l'adversaire de vos adversaires. I will be an adversary. Je serai l'ennemi de vos ennemis. I will be the enemy of your enemies. Il est écrit.
Je bénirai celui qui te bénira. I bless those who bless. Et je maudirai celui qui te maudira. I now curse those who curse you. Au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. J'arrache la ville. I snatch the city. J'arrache la région. I say I snatch. J'arrache la famille. I snatch the family. J'arrache mon progrès. I snatch my fortune. Je brise les obstacles. And I break the obstacles. Contre la prière. Against prayer. Contre le jeûne. Against fasting. Contre la lecture biblique. Against Bible reading. Contre toutes les routines. Against all the routines. We scatter, we destroy, we shatter les barrières des ennemis, the barriers of the enemy, nous les brisons, and we break them. Peuple de Dieu, people of God, marchons victorieusement. Let us walk victoriously. Amis de Jésus, the friends of Jesus, marchons librement. Let us walk freely. Marchons librement. Let us walk freely. Satan est écrasé. Ses armées sont en débandade. Satan and his army are in ses confusion. Sont en fuite. The enemy is in flight. Les jeunes convertis, young convert, venez avec nous. Come with us. Dans cette bataille, the real battle. Nous prions en langue. Let us pray in tongues. Let us pray in tongues. Lève ta main. Take up your hand. Au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Je brise. I break la barrière de la maladie. The barrier of sicknesses. Je brise. I break toute maladie. Every disease envoyée par Satan. Sent by Satan. Pour limiter. To limit me. Nous les cassons. We crush them. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Malade. Sickness. Sois guéri. You will be healed. Disease. Disparaisse. Disappear. Disparaisse. Disappear. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Continue à prier là. Continue to pray. Dieu, au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Je brise. I break. Les barrières. Barriers. Je brise les limitations. Of limitations. À cause de la crise financière. Because of financial crisis. Je refuse la pauvreté. I refuse poverty. Je refuse la misère. I refuse misery. Je refuse la pauvreté. I refuse poverty. Je refuse la misère. I refuse misery. Ce que Dieu m'a confié. That which God has given me. Ne sera jamais bloqué. Will never be blocked. À cause du manque d'argent. Because of lack of money. Continue à prier pour toi. Continue to pray for yourself. Continue à prier pour toi-même. Continue to pray for yourself. Selon ta situation. Each one according to his or her situation. Continue à prier. Continue to pray in tongues. La prière doit remplir les coupes qui sont au ciel. The prayer must fill the cup that are in heaven. Listen now, listen. Écoutez. Listen, please. Écoutez. Listen. Au ciel. In heaven. Dieu a des coupes là-bas. God has cups there. Nos prières entrent dedans. Our prayers enter therein. When it is not, as long as it's not filled, le miracle vient quand les coupes sont remplies. God is waiting for the cups to be filled. Pray. Rassure-toi. And ensure que même le nombre de mots, that even the number of words, dans cette coupe will enter into those si cups. Tu t'assois, tu dors. If you sit down there and are sleeping, les choses vont s'arrêter là où tu as cessé de parler. Things will stop where you stop speaking. I'm telling you the truth. Après ça, after this, d'abord, pendant qu'on prie, as we are praying, le diable a des problèmes. The devil is in problems. Tu vas marcher. You must walk. Tu vas constater que la chose que tu ne parvenais pas de faire, tu vas faire ça. You realize that the thing that you could not do before, you begin to do them. Tu vas remarquer. You realize que tu devais répondre à des certaines lettres, tu n'as pas répondu. That way to give answers to some letters and you did not do that. Tu vas te réveiller. Qu'est-ce que j'ai fait? But you're going to get yourself. What have I done? Tu vas te réveiller. You awake. Tu constates que
And you notice that. L'ami, ton vrai ami. Your real friend. Tu l'as abandonné. You abandoned him. Or her. La vraie amitié. True friendship. Qui pouvait t'aider. That could help tu you. Tu l'as abandonné. You abandoned him. Tu t'es attaché aux gens qui n'ont pas de but. And you're attached to people who don't have any goal. Ça c'est un complot. That's the plan. Et tu vas te retrouver. And you'll find yourself. En train de supplier ton frère. Begging your brother. En disant je veux marcher avec toi. Saying I want to walk. Pardonne-moi le mal que j'ai fait. Please forgive me for what I did. C'est ça qu'on appelle les barrières. That is what we call barriers. Peut te voler quelque chose. The devil will steal something from you. Quelques bandits qui vont te perdre tout le temps. He may. Il peut coller à toi quelques bandits. He may send to you some things. Pour causer, pour rien, vous bavarder. Just confess rien ne sort. And nothing comes out of it of that conversation. Ton esprit va se réveiller. Your spirit will awake. Tu seras comme un homme ressuscité. You'll be like a man who was resurrected from death. Résultat de cette prière. According to the results of this prayer. Tu vas implanter l'assemblée là où ça a été difficile depuis des années. You are going to plant an assembly where it was difficult for many years. Là où tout le monde disait que ce n'est pas possible. Where everyone was saying that it's not possible. Tu auras l'assemblée là-bas. You'll plant an assembly there. Tu auras les membres qui viendront prier dans ton assemblée. You'll have members who come and pray in your assembly. En traversant la boue. As you go through more. Ils vont laisser les villas. They will leave pour venir mansion. Prier avec toi. They will come and stand with you a little more. Ça va s'accomplir. It's going to take place. Ça va s'accomplir. It will happen. Pour arriver chez toi. They will come to your house. C'est difficile. If to get to your home is difficult, la route n'est pas bonne. Because the road isn't good. Mais but rempli de cet esprit, but filled with the Holy Spirit, les gens vont traverser les planches. The Lord, the people walk on pieces of planches. Et nous proclamons. So we proclaim. Nous proclamons. We proclaim que nous possédons l'héritage. That we possess our inheritance. Nous possédons la ville. We possess the city. Maintenant, tu écris ton nom sur la par la foi. By faith, now you write your name. Tout ce que nous faisons maintenant, c'est basé sur la parole de Dieu, mais par la foi. All what we are doing now is based on the word of God that talks about faith. Ce n'est pas le temps. On va supplier Dieu après. This is we'll plead with God afterward. Pour d'autres sujets. For other. Mais ça là. Now, but this for this one combat. This warfare. Jésus a dit. Jesus said. Si tu dis à cette montagne. If you tell this mountain. Ôte-toi de là. Move from here. Ça va I'll be thrown into the sea. It will happen. Ça va s'accomplir. With. Donc, it will happen. Toutes ces choses, all these things, doivent être écrasées. Must be crushed. Doivent être écrasées. Must be crushed. Dis, j'écris mon nom sur la ville. Say, I write my name on the city. Si tu t'appelles, moi je m'appelle Boniface Meunier. I'm called Boniface Simon Toby. La cité de Boniface Meunier. This city, the city of Simon Toby. Et ça va s'accomplir. And it will happen. Ça va s'accomplir. And it will be accomplished. Dieu au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Si je trouve un esprit méchant. If I find any wicked spirit. Qui habite un homme. That lives in a man. Je veux le chasser. I will cast it out. Ça c'est une menace que tu es en train de faire. Pourquoi on était It's a threat that you are carrying out now. Et prends la Bible. And take your Bible. Prends Isaïe chapitre 8. Take Isaïe chapter 8. Lis le verset 9 et 10. Read verse 7 and 8. Ne vous asseyez pas. Please don't be seated. Isaiah chapter 8 verse. Tu vas prophétiser. You are going to prophesy. La nouvelle va partir. The news will go. Voici ce qu'ils ont décidé. This is what they decided in Doxibi. Il y a les petits envoyés spéciaux du diable pour donner les informations. Il y a les petits envoyés spéciaux du diable. There are special envoys of the small, very little envoys of the devil. Ils sont en train de planifier. They are planning already. Comment arracher tout ce qui leur appartient? How to snatch all that which is against them? Et ils ont déjà arraché beaucoup de choses. And they have snatched very many things. Et ils n'ont pas encore fini. But they are not yet done. Oui. Esaïe chapitre 8 verset 9 et 10. Écoutez. Now listen. Poussez des cris de guerre, peuple, et vous serez brisés. Prêtez l'oreille, vous tous qui habitez au loin. Préparez-vous au combat. Et vous serez brisés. Préparez-vous au combat. Et vous serez brisés. Formez des projets. Et ils seront anéantis. Donnez des ordres. Et ils seront sans effet. Car Dieu est avec nous. Acclamation. Éclat. Ça c'est une descente offensive sur le terrain. It's going to be an offensive descent on the field. On n'attend pas que l'ennemi vienne nous attaquer. We don't wait for the enemy to come and attack us. Really? Read it all over.
Poussez des cris de guerre, peuple. C'est-à-dire, tu dis à tes ennemis. You tell your enemies. Mais pourquoi vous êtes calme? Je veux le combat. Why are you calm? I want to wait for. Venez m'attaquer. Venez. Come and attack me. Oui, continue. Et vous serez brisés. Vous serez brisés. And you'll be broken. On dit le diable attaque les gens. Venez nous attaquer. The devil attacks people. Come and attack us. Les sorciers barrent la route. Les gens. Viens barrer la route. The sorcerers block people's way. Come and block my way. Là où nous sommes arrivés. Where we have gotten. Ce n'est plus là où on dit que le sorcier a barré sa route. And we are no longer at the place where they say, one will say the sorcerer have blocked the way. Il est sûr de lui-même. He is sure of himself. Prêtez l'oreille, vous tous qui habitez au loin. Il dit vous là, écoutez ce que je vous dis. You listen to what I'm going to tell you. Qui parle comme ça, c'est un enfant de Dieu. Who is talking like that? It's a child of God. Préparez-vous au combat. Préparez-vous, faites des exercices. Train for war. Achetez les armes. Buy weapons. Et puis, and then, et vous serez brisés. Vous serez brisés. And you'll be broken. Continue. Préparez-vous au combat. Préparez-vous au combat. Prepare for war. Et vous serez brisés. Vous serez brisés. And you'll be broken. Formez des projets. Fondez des projets. Make plans or projects. Et ils seront anéantis. Et ils seront anéantis. And be brought to naught. Donnez des ordres. Donnez des ordres. Give orders. Et ils seront sans effet. Ils seront sans effet. And they will be without any effect. Pourquoi? Useless. Why? Car. Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. God is with us. Ne crains rien. Don't be afraid. Be afraid of nothing. Pose la main sur ton cœur. Place a hand on your heart. Mon âme. C'est my soul. Ne crains rien. Do not be afraid. Dieu est avec nous. God is with us. Dieu est avec nous. God is with us. Nous avons la victoire. We have the victory. Dieu est avec nous. God is with us. Dis Dieu avec moi. Say God is with me. Ça c'est pour te délivrer toi-même. This is for to deliver yourself. You yourself. Il y a des gens quand on dit que Dieu nous aime, ils ne croient pas qu'ils sont dedans. When there are people when they say God loves us, they don't even know that they are inside. That God loves us. Dieu t'aime. God loves you. Il est avec toi. He is with you. Que les armées ennemies viennent. Let the army of the enemy come. C'est le message qui est en train de partir. It's a message that's already going forth. Ils vont se dire, and they will say to themselves, ils ont décidé de nous attaquer. They have decided to attack us. Ils n'attendent même plus qu'on aille les attaquer. They don't even wait for us to go attack them. Jésus s'est révélé à eux à Dorsimbi. Jesus has revealed himself to them in Dorsimbi. Jésus s'est révélé à eux à Dorsimbi. Jesus has revealed himself to them in Dorsimbi. Et ils vont dire, and they will say, laissons-les passer. Please let's just make way for them to pass. Laissons-les passer. Let's allow them to pass. Laissons-les passer. And let's just allow them to pass. Les parents disent aux enfants d'Israël. Pharaoh told the children of Israel, now you can go, go, go. Il y a un niveau où c'est le diable qui te chasse. There's a level where it's the devil who tell you to go. Lève ta main droite. It is where we are watching. Take up your right hand. Dis au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Que le courage remplisse nos cœurs. May courage fill our hearts. Qu'il y ait des chants de joie. There may be people of joy. Qu'il y ait des cantiques d'allégresse. There may be songs of joy. Dieu avec nous. God is with us. Proclame le Dieu. Proclaim that God is with us. Jésus est avec nous. God is with us. Jésus est avec nous. God is with us. Jésus 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 est avec nous. Jesus is with us. Jésus avec nous. Jesus is with us. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus Christ. Maintenant nous levons la main. Now we're going to raise our hand. Si tu es dans un combat. If you are in a war, in a battle. Seul. Alone. Tu as combattu. You've been fighting. Même jusqu'à ce matin. Even up to this morning. Tu combattais encore. You are still battling. Nous allons. We are going to. Te donner la victoire. Give you the victory. Là où tu étais seul. Where you were just alone. Un commun accord. In one agreement. Nous allons crier à Dieu. We're going to cry out to God. Le premier cri. Now the first cry. Va contre les maladies. Will go. Is going against diseases. Frères sont malades. The brethren are sick. Mais ils ne sont pas désespérés. But they are not. They have not lost courage. Parce que Jésus est là. They are not desperate because Jesus on is there. Crier, oh Seigneur Jésus. We're going to cry, oh Lord Jesus. Visite ton peuple. Visit your people. Guéris miraculeusement les malades. Heal your children miraculously. Il y a des gens qui ont le VIH. There are people who have AIDS. Il y a des gens qui ont le cancer. Like those who have cancer. Il y a des gens qui ont le diabète. That those who suffer from diabetes. Il n'y a pas de solution. There is no solution. Jésus de Nazareth. Jesus of Nazareth.
Jésus peut descendre. Jesus can come down. Jésus. Jesus. Même à distance. Even from a distance. S'il regarde. If he just looks. Que vos yeux se croisent. And your eyes meet each other. Ton mal disparaît. Your pain will disappear. Disons à Jésus, nous le savons, Seigneur. Say, Jesus, Lord, we know this. Nous le savons, Seigneur. Lord, we know this. Nous le savons, Seigneur. Lord, we know this. Que ton regard. That your looks. Ressuscite les morts. Raises the dead. Crions ensemble. Commençons à prier. Let's cry out together. Là, tu peux t'asseoir. Now you can sit down. Mais tu ne dors pas. But don't sleep. Dis au Seigneur qu'il y en a qui ont des béquilles. Tell the Lord that those who have crutches. Si tu connais un frère, if you know a brother, tu parles de sa situation à Dieu. You tell God of his situation. Tu dis à Dieu, il y a un frère là-bas. Tell God there's a brother there. Ce n'est pas bon pour lui. It's not going well with him. Erika balaka sana baka sekere. Gloria bakara basekara baka seka. Erika bakara baka sekara baka. Oh Père. Oh Father. Dis Seigneur Jésus. Dis Seigneur Lord Jesus. Say Lord Jesus. Écoute notre cri. Hear our cry. Écoute le cri de ton peuple. Hear the cry of your people. Guéris nos maladies. And heal the sick. Délivre-nous de nos maladies. Deliver us from sicknesses. Délivre-nous de nos maladies. Deliver us from our sicknesses. Il faut avoir la foi. Ne doute pas. And you must have faith. Don't doubt. Do not doubt. Crions ensemble. Let us cry out together. Parle-lui, ne t'étais pas. Tell him, do not be afraid. Il faut qu'il descende dans la situation. He must come down into the situation. Il y a eu les délivrances, c'est vrai. There have been deliverances. It's true. Il y a eu les guérisons, c'est vrai. There have been healings. Mais il y a encore les malades. But there are still people who are sick. Il y a encore un besoin de délivrance. Oh Seigneur, oh Lord, par tes compassions. By your compassion, in your compassion, guéris les malades. Heal the sick. Oh Jésus. Oh Jesus. Que le joug de la maladie. In the yoke of disease. Soit brisé. May the yoke of disease be broken. Parle-lui. Tell him, talk to même him. Même si tu n'as pas de problème. Even if you don't have a problem. Prie pour les autres. Pray for others. Peut-être tu n'as pas de problème. Even if you don't have problem. Mais prie pour les autres. But pray for the others. Dis à Jésus. Tell Jesus. D'intervenir. Intervene. D'intervenir. Intervene. D'intervenir. Intervene. D'intervenir. Intervene. Par compassion. In your compassion. Par compassion. In your compassion. Oh Seigneur. Oh Lord. Nous ne méritons pas cela. We don't deserve this. Mais nous comptons sur ta miséricorde. But we count on our mercy. Nous comptons sur tes compassions. We are counting on our compassion. Continue to pray. Lord, au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Je suis un enfant de Dieu authentique. I'm a genuine child of God. Je ne serai jamais un sorcier. I will never be a sorcerer. Même si on m'a initié inconsciemment, j'ai dit que je ne veux pas être sorcier. Even if I was left unconsciously, I proclaimed that I will never be a sorcerer. Même si c'est à travers la salive de mon père ou de ma mère ou d'une vieille maman ou bien d'un vieux oncle. Even if it's through the saliva of my father, my mother, an old mama or an old uncle, je ne serai jamais sorcier. I will never be a sorcerer. Je refuse. I refuse. Je suis un membre du corps de Christ. I'm a member of the body of Christ. J'efface mon nom dans les livres. I blot my name from their books. S'il y a un objet là-bas sur lequel mon nom est écrit, j'efface mon nom. If there's an object there with them where my name is written, I blot out my name.
fasse mon nom par le sang de Jésus. I blot out my name with the blood of Jesus. Ils me chercheront, ils ne me verront jamais. They will look for me and will never see me. Si on m'a fait boire quelque chose en sang, je le vomis par la puissance du Saint-Esprit. If they got me to drink something in dream, I vomit it by the power of the Holy Spirit. Je vomis tout ce que j'ai bu involontairement. I vomit all that which I drank unconsciously. Je vomis tout ce que j'ai mangé involontairement. I vomit all that which I ate involuntarily. Si on a menti, if they lied, pour m'envoûter, to bewitch me, je détruis cet envoûtement. I destroy that bewitchment. Si on m'a donné un cadeau, if they gave me a gift, avec le plan de m'envoûter, with a plan of bewitching me, je détruis ce cadeau. I destroy this gift. Même si c'est moi-même qui ai demandé. Even if it's, I am the one who asked for that gift. Et si on a utilisé ma demande pour m'envoûter, if they use my request to bewitch me, brise cet envoûtement. I break this bewitchment. Par la puissance du nom de Jésus. By the power of the name of Jesus. Je suis libre. I am free. Si on m'avait donné certaines fonctions dans la sorcellerie, if they gave me some oil in sorcery, je refuse ces fonctions. Some functions in sorcery, I refuse those functions. Tu dis, j'ai entendu dire, so I've heard say, que c'est moi qui devais être l'héritier, that I was going to be the heir. J'ai dit, je refuse. I say, I refuse it. Je refuse cet héritage. I refuse this inheritance. Heritage. Je refuse les esprits derrière cet héritage. I refuse the spirits that are behind this heritage. Toutes les capacités démoniaques. All demonic abilities. Telles que les songes prémonitoires. Like les songes qui annoncent l'avenir. As even dreams that can talk about the future. Ou la divination. For divination. Je refuse ce qui vient du diable. I refuse all that which comes from the devil. Le Saint-Esprit me conduira. The Holy Spirit will lead me. Il me parlera. And will speak to me. Il me donnera des prophéties et des visions de Dieu. He will give me prophecies and visions from God. Je n'ai pas besoin de serpents et de morts. I don't need visions of serpents and dead people. Parce que la parole de Dieu déclare. Because the word of God declares. Si quelqu'un a en lui. If anyone has in him. Un esprit de divination ou un esprit de mort. A spirit of divination or a spirit of death. On doit le lapider. He will be stoned. Mais en Jésus. But in Jesus, on doit le délivrer. He must be delivered. Et la personne doit renoncer. And the person must denounce. Donc, je renonce à ça. I renounce then all et that. Je refuse. And I refuse. Tous les dons démoniaques. All demonic gifts. Je refuse ce que les sorciers pensent être bien. I refuse all what the sorcerers think are good. Et je refuse ce que eux-mêmes savent, ce qu'ils savent eux-mêmes que c'est mauvais. And I refuse what they themselves know that is evil. Tout ce qui vient des sorciers. All that which comes from sorcerers. Je le rejette. I reject them. Je suis libre. I am free. Il est écrit. It is written. Toute grâce excellente. It's an excellent et grace. Tout don parfait. Every perfect gift. Descend d'en haut. Comes from on high. Du Père de lumière. From the Father of light. Ce qui n'y a point de changement. With whom there is no variation. Ni ombre de variation. Of variation. Je suis libre, 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 libre. I am free, 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 libre, free, free. Libre, libre, I'm free, libre. Free, free, free. Je brise les liens. I break the tie. Avec les pactes des ancêtres. With the pacts of ancestors. Les alliances avec les patriarches. Covenants with patriarchs. Tout ce qu'ils ont promis à Satan. All that they promised from Satan. Ne me concerne pas. Do not concern me. Je ne suis pas inclus dans les alliances. I am not included in their covenants. J'y étais, mais Jésus m'a sorti. I was there, but Jesus had got me out of there. Et je déchire ces alliances. And I tear this covenant. Et je condamne le mensonge. And I condemn lies telling. Que les sorciers ont utilisé. The lies that sorcerers have used. Pour envoûter la famille. To bewitch the family. En disant. In saying. C'est pour vous protéger. It is to protect you. C'est pour vous protéger. It is to protect you. Lève ta main. Tu dis, y a pas de bon Satan. This is my answer. There's no good Satan. Je rejette. I reject all these promises. Toutes ces promesses mensongères. All these promises that are lies. Il n'y a pas de bon diable. There's no good devil. Jésus de Nazareth. Jesus of Nazareth. A enseigné. Taught. Que le voleur. That the thief. Ne vient que pour dérober. Comes only to steal. Pour voler. To kill. Pour détruire. And to destroy. Pour tuer. And to kill. Satan ne peut protéger personne. Satan can protect no one. Au contraire. On the contrary, il vient voler ce que Dieu a donné. He comes to steal what God has given. Les bénédictions. Blessings. Que les hommes sortent avec du sein maternel.
Les bénédictions que Dieu a prévues pour chacun en sortant du sein de sa mère. Blessings that God had ordained for each one in his child from birth. Sont là. They are there. Comme un cadeau de Dieu. As a gift from God. Que le diable vient voler. That the devil comes and steals. Maintenant Satan. Now Satan. Je te commande. I command you. De te retirer de ma vie. To withdraw from my life. Va. Be gone. Je n'ai pas besoin de toi. I don't need you. Va. Be gone. On a dit qu'il y a des démons qui résistent. It is said that there are demons that resist. Peut-être tu auras une raison pour résister. Maybe you had a reason for to resist. Mais cette raison. But these reasons. Est brisée. These reasons are broken. Par le sang de Jésus de Nazareth. By the blood of Jesus Christ of Nazareth. Je ne suis pas redevable. I'm not. I don't owe. Quitte ma vie. Leave my life. Quitte ma maison. Leave my home. Quitte mes projets. Leave my project. Quitte ma santé. Leave my health. Quitte mes projets. Leave my project. Quitte mon mariage. Leave my marriage. Quitte ma famille. Leave my family. Quitte mes enfants. Leave my children. Quitte mon père et ma mère. Leave my father and my mother. Quitte mes amis. Quitte. Leave my friends. Leave. Va. Go, 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 ce qui t'appartient. Go, 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 go. Prends tout. Go, quick, go. Prends. Go. Prends ce qui t'appartient. Go. Prends ce qui t'appartient. Va-t'en. Continue à prier. Continue to pray. Dis au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Qu'un démon ne reste en moi. No demon should remain in me. Je te juge. I pray. Et je te chasse. And I cast you out. Je te juge. I je te chasse. And I cast you out. Continue à prier. Continue to pray. Va-t'en. Be gone. Oui, continue à commander. Continue to pray. Be gone. Be gone. Va-t'en. Be gone. Go. Va-t'en. Be gone. Va. Go. Va. Go. Sors. Sors. Va-t'en. Be gone. Vite. Quick. Vite. Chorba ka. Va-t'en. Be gone. Va-t'en. Va-t'en. Be gone. Va. Go. Va-t'en. Be gone. Va. Ah.
Va-t'en. Be gone. Esprit de mort. Va-t'en. Esprit de mort. Va-t'en. Va-t'en. Esprit de mort. Spirit of death. Va-t'en. Be gone. Va. Go. Au nom de Jésus-Christ. Esprit de mort. Spirit of. Tu ne resteras pas dans un corps. You will not remain in anybody. Va-t'en. Be gone. Et toi, la mort elle-même. And you dead yourself. Va. Out. Va. Out. Sort. Come out. Esprit de mort. Spirit of death. Ou la mort elle-même. And dead itself. La mort elle-même. And dead itself. Va. Out. Va. Out. Sans tarder. Without wasting time. Au nom de Jésus de Nazareth. In the name of Jesus of Nazareth. Esprit des eaux. Water spirit. Water spirit. Avec Mami Water. With Mami Water. Et les autres démons. And other. Va. Out, go. Esprit des eaux. Spirit. Esprit des eaux. Go. Il est malade. Continue à prier. To pray, continue to pray. Pour Satan. Point de méchant. Partez, partez, soyez concentrés, beaucoup de démons sont en train de partir. Stay focused, many demons are going out. Ils croyaient qu'on allait laisser. Ils étaient déjà contents. They were already happy that we were going to stop. Esprit. Spirit. De mort. Of death. Va-t'en. Be gone. Continue à jouer. Continue to pray. Dis Marie de nuit. Marie de nuit. Spiritual husband, spirit. Marie de nuit. Spiritual husband, va-t'en. Be gone. Marie de nuit. Spiritual husband, va-t'en. Be gone. Marie de nuit. Spiritual husband, va-t'en. Be gone. Va-t'en. Va-t'en. Même si tu es un serpent. Et venez bien, serpent. Va. Go. Va. Go. Va. Go. Va. Go. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Nous te renversons. We overthrow you. Nous te renversons. We overthrow you. Te renversons. We overthrow you. Nous te renversons. We overthrow you. Nous cassons ton trône. We break your throne. Nous cassons ton trône. We break your throne. Nous cassons ta demeure. We break your dwelling place. Nous cassons ta demeure. Break your dwelling. Nous cassons ta demeure. We break your dwelling place. Nous cassons ta demeure. We break your dwelling place. Nous cassons ta demeure. We break your dwelling place. Et nous te chassons. We nous cast te chassons. You we nous cast te chassons. You we nous cast te chassons. You we nous cast te chassons. And we nous cast te chassons. And we nous te chassons. 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 We cast you out.
Dieu, au nom de Jésus. Say the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Si tu es un esprit. If you are a spirit. Qui habite un être humain. Living in a human being. L'esprit d'un parent. The spirit of a friend. D'un oncle. Or aunt. Posséder son corps. Possess his body. Par le droit. Tu ne crois. Va-t'en. Be gone. À prier. To pray. Ora ga baga joro baga ho baga joro baga ho baga baga baga. Joro bo ko baga. Joro bo baga ga baga. Joro bo baga ga baga ga ga. Esprit méchant. Wicked spirit. Esprit humain. Human spirit. Qui a incarné un corps. That's living in a tu es jugé. You are judged. Sors le matin. Come out and be gone. Sors. Come out, come out, come out. Come sors out. maintenant. Jésus-Christ. Jesus Christ. Ora baga shiga ra baga baga. Ora baga shara baga shara. Ora baga baga baga. Ora baga shara baga baga. Ora baga shara baga baga. Ora baga baga baga. Ora baga baga baga. Si tu es un esprit de serpent. If you are a spirit of serpent. Qui suit quelqu'un depuis le sein de sa mère. Following someone since of the birth from birth. Ou depuis sa naissance. Or from tu es jugé. You are judged. Tu es frappé. You are jugé. Frappé. Jugé. Frappé. Jugé. Frappé. Jugé. Va-t'en. 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 Jugé. Frappé. Jugé. Frappé. Jugé. Frappé. Jugé. Frappé. Jugé. Frappé. Frappé. Sors. Out. Sors. Out. Démon. C'est démon. Toi qui provoques les fausses couches. You provoke miscarriages. Tu es jugé. You are judged. Nous mettons fin à ton travail. We bring an end to your work. Sors et va-t'en. Come out and be gone. Asseyez-vous. Please be seated. Vous gardez le calme. And be silent. Sauf le démon, lui n'a pas de paix. Only demon, because he don't have any peace.
Si tu avais lutté avec quelqu'un en songe, if you fought with someone in a dream, et il t'a donné un coup, and he struck you, or he hit you, pose la main là où il t'avait frappé. Place your hand where he hit you. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Nous jugeons cet acte. We judge this act. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Toi, méchant esprit. You wicked spirit. Qui a touché. Who touched. Pour faire de mal. To cause pain. Toi qui as donné ce coup. Who gave that blow. Nous écrasons ce coup. You gave that blow. We crush that blow. Nous délivrons les captifs. We set the captives free. Rien ne leur arrivera. And nothing will happen to them. Rien ne leur arrivera. Nothing will happen to them. Nous cassons ce coup. We break the blow. Nous détruisons ton plan. We destroy your plan. Nous détruisons ton plan. We destroy your plan. Nous te renvoyons ce que tu as laissé dans son corps. And we send back to you what you left in his body. Et nous déclarons. And we declare. Rien ne lui arrivera. That nothing will happen. Rien, rien, rien. Nothing, 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 nothing. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Pose les mains sur ta tête. Place your hands on your head. Dis si quelqu'un m'a envoûté. So if someone bewitched me, en utilisant l'argent que je lui ai donné, using the money that I gave him, je détruis cet envoûtement. I destroy that bewitchment. Cette méchanceté. That wickedness. Moi, je t'ai fait du bien. I did good to you. Toi, tu me rends le bien par le mal. And you returned it with evil. Je crase cet envoûtement. I crush that this bewitchment. J'annule ton œuvre. And I know and I nullify your work. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Pose les mains sur ta tête. Dis s'il y a des gens à la maison chez moi. Place your hands on your head and say if there are people at home qui pratiquent la sorcellerie. Who are practicing sorcery? Et qui planifie consciemment le mal contre ma maison. And who consciously plan evil against my home. Et qui sont à l'origine des troubles que je traverse. And who are behind all the difficulties I'm going through. Des gens que j'héberge. People I house. Qui pratiquent la sorcellerie contre moi. Who practice sorcery against me. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Je vous chasse de la maison. Get out of the house. Que l'esprit de l'Éternel vous enlève de la maison. May the spirit of the Lord take you out of the house. Je pratiquerai la charité avec d'autres personnes. I'll practice charity with another person. Je répare tout ce que vous avez gâté. I repair all that which you destroyed. J'expose vos œuvres. I expose your works. J'expose vos œuvres. I expose your works. Si un parent if a parent est à l'origine de ton célibat, is behind your celibacy, que ce n'est pas l'œuvre des démons, c'est ton père ou ta mère. It is not some work of the demon, it's your father or your mother. Ils veulent que tu travailles et tu t'occupes d'eux. They want that you should work and take care of them. Ils sont là. They are there. Ils font comme s'ils sont préoccupés par ta situation. Non, non, non. And they behave as if they are very preoccupied with their situation. Ils aiment quand tu es célibataire. Ils aiment quand tu es célibataire. Ils aiment ton état de célibataire. They love your state of celibacy. Je déclare que tu es libre. Je déclare que tu es libre. Je déclare que tu es libre. I declare that you are free. Tu es libre. You are free. Et nous amenons à l'existence ton mariage.
I will bring your marriage into existence. Libre, libre, libre. Free, free, free. Libre, libre. Free, free, free. Libre. Free. Gora baka shara. Guru go baka 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 guru. Guru go baka shara baka shara. Guru go baka baka guru go baka. Guru go baka shara baka shara. Go baka raka baka go baka guru. Go baka raka go baka go baka. Dieu au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. S'il y a un esprit qui résiste. If there's any spirit that is resisting. Dans la vie d'un frère ou d'une sœur. In the life of a brother or a sister here. D'un commun accord. In one agreement. Nous frappons cette résistance. We break this resistance. Nous la brisons. From the prison. Et nous te or commandons we break it. Et va-t'en, esprit impur. And be gone. Dis-toi, esprit, c'est you, spirit, qui veut réclamer des choses. Not want to claim things. Va-t'en. Be gone. Tu n'as rien à réclamer. You have nothing to claim. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Dieu au nom de Jésus. Say in the name of Jesus Christ. Vous tous les serpents. All serpents. Les mboma. Les mboma. Les pythons. Nous te taillons en pièces. We cut all of you in pieces. Dans le python. You python. Nous te taillons en pièces. We cut you into pieces. Merci. Thank you. Dis merci, Seigneur. Say, Lord, thank you. Qui a... Attends. Wait a little. Qui a des vertiges? Who is feeling dizzy? Pas les petits vertiges comme quelqu'un qui not est just, fatigué. Just les vrais vertiges que tu... Truly c'est comme feeling si dizzy. La maison s'y tourne. As if the whole house is turning. Si tu vois deux personnes, lève la main. If you are that kind of that person, take up your hand. Oui, amenez-la en bas. Please take her down at the basement. Les vrais vertiges, pas les petits. Truly feeling dizzy, not just. Oui. Yes, please take her down to the basement. Qui a la nausée, la vraie nausée? Who's feeling? Who has nausea? Really? Oui. Really nausea. Va en bas. Please go to the basement. Vous savez, le dernier jour, on ne laisse rien suspendu, rien. Qui autre a une vraie nausée, le genre que tu sens comment la sarah. Who's feeling nausea? Oui, va en bas. Please go to the basement. To the si basement. Tu ne sens rien, ne dis pas que tu sens quelque chose. If you don't feel anything, please. Parce que ce sont les démons. Those are demons. Il faut qu'on les chasse. We must have to cast them out. Si on arrête ici, comme il n'y a plus de croisade, if we stop ils vont, here, ils vont aller se manifester à la maison. Since the crusade will have come to an end, they will go manifest at home. Qui a la vraie nausée? Who has nausea truly? Qui monte ici et qui rentre? Comes up here and comes. Ok. Maintenant. Now. Disons amen. Let us say amen. Acclamation maintenant. Éclat. Merci. Thank you. Nous allons maintenant recevoir la bénédiction. Now we're going to finale. Receive blessings. The final blessings. Un père est un père. A father remains a father.
Même s'il fait comme ça, even if he makes like this, nous serons bénis. Even if he just makes it sound like this, we will be blessed. Praise the Lord. Gloire à Dieu. You put up your hand. Pose juste la main sur la tête. Stand up and put your hands on. Lève-toi et pose la main sur la tête. And say, Lord, bless me. Et dis, Seigneur, bénis-moi. Lord, bless me. Seigneur, bénis-moi. In the name of the Lord Jesus Christ. Au nom du Seigneur Jésus Christ. We bring to existence all the purposes of God in your life. Nous amenons à l'existence tous les desseins de Dieu dans ta vie. In the name of the Lord Jesus Christ. Au nom du Seigneur Jésus Christ. We bless you. Nous te bénissons. With the Lord Jesus Christ. Avec le Seigneur Jésus Christ. As your provision. Comme ta provision. As your sanctification. Comme ta sanctification. As your joy. Comme ta joie. As your fulfillment. Comme ta satisfaction. In the name of the Lord Jesus Christ, au nom du Seigneur Jésus Christ, we bless you materially. Nous te bénissons matériellement. So that you will confess like David. Afin que tu puisses confesser comme David. That the Lord is my shepherd. Que l'Éternel est mon berger. I shall know no one. Et je ne manquerai de rien. And you shall know no one. Et tu ne manqueras de rien. We proclaim. Nous proclamons. That the Lord who says. Que le Seigneur qui a dit. That I will meet all your needs according to my riches in Christ Jesus. Que je vais pouvoir à tous tes besoins selon ma richesse en Jésus-Christ. Qu'il puisse satisfaire tous tes besoins. We bless you. Nous te bénissons. With perfect health. Avec une santé parfaite. As your inheritance in the Lord Jesus. Comme ton héritage dans le Seigneur Jésus-Christ. For it is written. Car il est écrit. And the scripture cannot be. Et les Écritures ne peuvent être anéanties. I shall not inflict upon you the diseases of Egypt. Je ne vous infligerai pas les maladies de l'Égypte. As you walk close with me. Pendant que vous marcherez proche de moi. I will bless you with favor. Nous te bénissons avec la faveur. Favor before God. La faveur devant Dieu. Favor before man. La faveur devant l'homme. Favor before all whom you meet. Favor. La faveur devant tous ceux auprès de qui tu as besoin de la faveur. We give you Jesus. Nous te donnons Jésus. As your all. Comme ton tout. Amen. Amen. God bless you. Que Dieu vous bénisse. Please remember to bring all the converts tomorrow. S'il vous plaît, amenez tous les convertis demain. At 6:30. À 18h30. If you have a convert, come with him tomorrow. Si tu as un converti, viens avec lui demain à 18h30 ici. God bless you. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, les baptêmes vont avoir lieu maintenant. Aujourd'hui, éternellement. Viens, viens et vois, Jésus n'a pas changé, il est le même, aujourd'hui éternellement. Bartimée était aveugle, dès le ventre de sa mère, assis au bord de la route, il était. Lorsque Jésus va